Bonsoir à tous. Elles sont là et même un peu là. Rousse péteuse et mal embouchée, prête pour un bon mot à se fâcher avec la terre entière, mais chagrinée à la pensée de causer une peine, même légère, accompagnée par Bob Castel. Voici vos grosses têtes. Personne d'entre nous ne l'a connue jeune. Si l'on excepte Jeanne Calment, tous ses copains d'enfance ont disparu au 19e siècle. Sa formidable longévité s'explique par le célibat, la virginité et la pénicilline. Philippe Castelli. Son altruisme est tel que son lit est devenu en quelques années le principal centre d'accueil nocturne de Paris, Vincent Perrault. Son rire est aux grosses têtes ce que le cri de la chèvre en rut est à un cœur de vierge effarouchée. Le rappel qu'il existe, en marge du langage articulé, d'autres formes d'expression. Thierry Roland. Des enfants, des chevaux et des chiens, sachant que sans escabeau, elle ne s'élèverait pas elle-même dans le monde. Dari Boutboul. Notre irrévérence le repose des révérences et nos histoires de fesses du baise-main. Prince de l'humour égaré parmi des princesses qui n'en ont pas toujours, Stéphane Bern. En d'autres temps, il eût été diplomate, abbé de cour ou directeur de conscience. La télé en a fait le confesseur à qui on a envie de tout confier parce qu'on sait qu'il ne gardera rien pour lui. Jacques Pradel. Maintenant que nous le connaissons et que nous l'apprécions, nous ne comprenons pas comment les grosses têtes ont pu se passer de lui pendant 19 ans. Julien Courbet. Dans une société corrompue, peuplée de vendus et d'achetés, il trafique sur les objets, mais jamais sur l'influence. Pierre Bellemare. Avec son sourire ambigu, sa culture polyglotte et son passeport international, c'est la Joconde de notre siècle, Amanda Lear. Sa contenance est aussi stupéfiante que ses capacités. Il apporte un cinglant démenti aux savants qui prétendent que l'homme est composé pour 75% d'eau claire. Carlos. En 30 ans, il est passé du certificat d'études à l'agrégation d'histoire. Guy Montagnier. Sa souplesse n'a d'égal que sa légèreté et sa gentillesse que la méchanceté qui le saisit lorsque dans un sketch comique, son partenaire oublie de lui écraser les pieds. Sim. Il était déjà acteur, directeur, auteur, metteur en scène. Il devient chanteur pour épater l'orchestre avant la galerie. Francis Perrin. Et puis celui qui va être ce soir notre invité d'honneur, aussi connu par les cyclistes du Bois de Boulogne que par les spectateurs de théâtre, il fait depuis 30 ans, sur toutes les scènes, la course en tête, Jacques Balutin. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Devant le tribunal des grosses têtes. En accusation, mais gentille, Jacques Balutin. Dis-moi mon Jacques, tu sais comme moi que les pièces légères, on appelle ça du théâtre de boulevard. Ouais. Bon, alors à ton avis, des pièces intello, comment est-ce qu'il faudrait rebaptiser ça? Le théâtre de l'impasse?
Non, je vais surtout te dire, est-ce que tu connais, toi, la différence entre le théâtre de boulevard et le théâtre intello? Ah, ben, il y en a un où on s'amuse, l'autre où on s'emmerde un peu. Non, mais... c'est pas ça. C'est qu'au théâtre de boulevard, tous les spectateurs qui sont dans la salle connaissent le nom des acteurs qui sont en scène. Et au théâtre intello, les acteurs qui sont en scène connaissent le nom de tous les gens qui sont dans la salle. Jacques, au théâtre, préférez-vous jouer les amants ou les cocus? Les cocus. Ah. Parce qu'il y en a toujours beaucoup plus dans la salle. Est-ce que vous iriez jusqu'à baisser votre pantalon? Je l'ai fait déjà. Je me souviens d'une pièce que j'ai jouée qui s'appelait La Bonne Adresse. Et à un moment donné, je faisais un modèle nu. Donc j'étais dans le plus simple appareil, ou presque. Et j'avais quand même demandé à la directrice, Madame Camoletti, de me fournir un petit quelque chose. Alors j'avais une espèce de petite jupette avec des franges dorées. Et comme le théâtre, on est souvent plus haut que les spectateurs, et presque toujours, j'avais dit, je pourrais pas avoir une coquille quand même. Alors elle m'avait fait faire une coquille dorée, très belle. Et un jour, un dimanche en matinée, où il y a des personnes âgées qui sont un peu plus dures d'oreilles que d'habitude, au premier rang, il y a une dame qui a fait sa copine. Quel bel père! Ça a été très dur d'enchaîner derrière. Je voudrais te rappeler un souvenir formidable. Mmh. On a tourné ensemble un film qui s'appelait Sacré Gendarme. Une belle œuvre. Bon, est-ce que dans l'intimité, certaines femmes que tu aurais peut-être déçues te disent « tu es exactement comme au cinéma en 35 mm. » Non, non, c'est-à-dire que j'en ai rencontré une qui sortait de tes bras et qui m'a dit « j'étais avec Sim avant-hier, c'est du 8 mm », elle m'a dit. C'était la même. Oh. Mon bon Jacques, que j'aime tant. Oula. C'est ça l'amour. C'est terrible. Il va me dire quelque chose de vache. Ah oui. Je le connais. Si t'avais été engagé pour tourner dans La Planète des Singes. Oui. Est-ce que t'aurais demandé à être maquillé? Oui. Oui. Et j'aurais dit, faites-moi la tête de Carlos. Tous les jours, tu passes à bicyclette devant ma fenêtre. 80 km en vélo tous les jours. Dis bien devant ta fenêtre, je traverse pas, tu l'en dis. Non, juste devant la fenêtre, avec Drucker, je passe, c'est ça. Et c'est par peur de prendre un bide, ça? Non, c'est pas prendre un bide, du bide. Ah, du pas bide. Un bide, du bide. Et il n'y en a pas du bide, là? Non, il n'y en a pas, du tout. Non. Dès le début, comme ça? Non, et je sens à propos de la bicyclette, dans le monde du spectacle, t'en connais beaucoup qui sont de la pédale? Ben, t'es mieux placé que moi pour répondre, mais enfin, je suis de dire. Pourquoi joues-tu souvent avec Robert Lamoureux? Parce qu'il m'engage. Mais il n'est pas de meilleure septième compagnie qui ne se quitte. Oui. Alors tu sais que quand on débute un spectacle, on frappe les trois coups avec un brigadier. C'est bien ainsi bien. Qu'on nomme ce bâton. Hein. Mais puisque nous allons maintenant consacrer cette émission à toi tout particulièrement, je pense que tu n'es pas le brigadier du rire, mais tu es un général 5 étoiles. Bravo. Oh bravo. Première question, c'est une citation, une vraie, de Madame Kahn de Courbevoie, qui a dit à une jeune fille rencontrée dans un laboratoire d'analyse, « Mademoiselle, j'ai de l'albumine, vous avez du diabète, venez donc à la maison, nous ferons des marins. » Francis Blanche. Oui, Francis... C'est Francis Blanche. Oui. Bonne réponse de... Oui. Monsieur Scrand de Dunkerque, en cyclisme, que signifie l'expression un peu triviale avoir la selle dans le trou du cul? Eh bien, ça veut dire que quand ça démarre et que ça roule très très vite, on est obligé de s'avancer vers l'avant de la selle pour pouvoir tirer le plus possible sur les cocottes. Donc, on a vraiment la selle dans le cul. C'est-à-dire qu'on voit tout les cocottes, c'est les freins. Et donc, ou le bas du guidon. Et donc, on voit toute une partie de la selle, pratiquement comme si on était la selle dans le cul. C'est une bonne réponse, mais il fallait s'y attendre, de Jacques Bellutin. J'ai connu un mec qui avait la selle dans le trou du cul comme ça, mais c'était pas un cycliste, c'était un motard. Et alors c'est arrivé à Gilbert, qui est un vendeur, c'est un représentant de commerce qui fait la route tout le temps. Alors il est dans sa voiture, comme ça, il roule, alors, grande ligne droite, il arrive dans une ville, ça, grande ligne droite, et puis il s'arrête, il y a un feu rouge, il y a plein de feux rouges sur la ligne droite. Il voit dans le rétroviseur un motard, mec en moto, qui a la selle dans le trou du cul, effectivement. Mais pas comme je dis, c'est-à-dire qu'il est vraiment collé après, toi. C'est ventoux, lent. Et le mec, il s'arrête au feu,
à côté de lui, comme ça. Il met pas le pied par terre. Il tombe. C'est rien, fou celui-là. Je dis, il a vraiment la selle dans le trou du cul, parce qu'il peut même pas... Alors il démarre, il va au feu rouge suivant, il s'arrête, regarde dans son rétroviseur, le mec arrive, pose toujours pas le pied par terre. Ouais mais, il est pas bien, il démarre, feu rouge suivant, il dit là, regardez, et le type arrive sur sa droite au lieu d'être sur la gauche. Pose toujours pas le pied par terre. Et là, le casque tape sur l'aile, boum. Le mec, il sort, mais non, mais ça va pas, mais vous êtes complètement fou. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Excusez-moi, monsieur. J'ai un gros chagrin dans les mots. Ah, il y a un belge. Bon, d'accord. Bon, alors, d'accord. Alors, écoutez, monsieur, c'est pas grave, relevez-vous. Enfin, vous pourriez quand même poser le pied par terre. Monsieur, non, c'est pas ça, c'est que ma femme vient de me quitter. Attendez, je vois pas le rapport. Vous pouvez pas mettre le pied par terre parce que votre femme vient de vous quitter. Dis non, ce n'est pas l'habitude parce qu'elle est partie avec le 5R. Question de M. Ruget du Rincy. Qui agit comme mâle à l'égard de celui qui le précède et comme femelle à l'égard de celui qui le suit? La prise de courant, non, le... Non. C'est un monôme dans une asile de vieillards. C'est des spectateurs qui font la queue. C'est pas dégueulasse. Les animaux. C'est des ce sont des animaux. Des morpions. Ça vole. Ah, c'est vrai, les morpions changent de sexe sans arrêt. Est-ce que ça vole? Ça vole, sont des oiseaux? Non, ça... Non. Ça nage. Les animaux féroces. Les pas du tout féroces et... La nature, qui est parfois facétieuse, leur a accordé les deux principaux sexes. C'est des mollusques, des coquillages. Ce sont des mollusques. Oh. Bonne réponse d'Amandelli. Pour ne pas dépayser Jacques Balutin, qui est un cyclotouriste éminent, nous avons prévu une petite balade en vélo entre hommes mariés. Ah, le sport, il n'y a que ça, hein? Ah, on est peinards entre mecs. Eh, pas de femmes sur le lot? Et non, on n'entend plus leur jacasserie, leur criaillerie, leur scène de ménage. Le cuicui des oiseaux. Ah, et puis on respire. Sans elle. On n'est pas stressé, hein? Ah non, on se la joue cool entre hommes, sans se prendre la tête avec des conneries. Dion, t'en as pas un peu forci, toi? Bah, du dis ça, je viens de perdre 500 grammes. Moi, j'ai le même poids qu'à 20 ans. Ah oui, mais toi, bien sûr. Eh ben, t'as de la chance, toi. Bon, moi, c'est vrai que je prends assez facilement, mais je me surveille. Oui, bah surveille-toi davantage, parce que là, tu t'en passes. Oh, mais dis donc, à la fin. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais t'énerve pas, c'est normal que tu t'en passes à ton âge. C'est rien, c'est l'andropause. Fais attention, surveille ta ligne. Oui, mais tu sais très très bien où tu veux en venir. T'es en train de me faire comprendre que je suis devenu trop vieux, trop gros pour toi et que tu vas aller voir ailleurs. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais écoute, si tu veux plus pédaler avec moi, t'as qu'à le dire. Si t'en as trouvé un autre, un jeune, un frais, un fin, eh ben dis-le. Enfin, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, t'as ta crise de nerfs ou quoi? Mais non, j'ai pas ma crise de nerfs, mais voilà, tu me supportes plus. Bon. Tais-toi et pédale. Bon. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Tu m'aimes plus, quoi, voilà. Je le sais, je le sens, tu m'aimes plus. Et puis tu vas me tuer. Moi, j'en peux plus, là. J'étouffe, je vais mourir. Mais bon, d'accord. Et puis tu vas être content quand j'aurai disparu. Ça suffit, ça va bien, arrête. Je te ramène chez ta bobonne. Oh, mais pourquoi tu me dis ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin, qu'est-ce que t'as à me reprocher? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, tu dis rien, là, voilà. Voilà, il dit rien. Si, je vais te le dire, je vais pas y aller par quatre chemins. T'es aussi chiant qu'une bonne femme. Question de Monsieur Johannon de Craponne. Pourquoi Victor Hugo dessinait-il une cloche en face de certains jours sur son agenda?
rendez-vous. Il avait des dames à voir. Exactement. Il faisait ça notamment en approchant de 80 ans, ce qui était l'indice d'un beau tempérament. Et notait le prix qu'il avait donné la Alors, fameuse. Il inscrivait le prix qu'il avait donné à la dame. Généralement, c'était pas très cher, non. Car ça se passait dans son quartier. Avec il était radin. Et quand on lui demandait pourquoi il dessinait des cloches, il disait c'est parce que cette cloche me rappelle que un jour on m'a agréablement agité le bâton. Maintenant, je propose de faire un heureux. D'abord parce que vous allez l'applaudir et que c'est peut-être la première fois qu'il est applaudi par une aussi nombreuse et brillante assemblée. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il est heureux parce qu'il est le gagnant du concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Il est heureux parce qu'il va repartir tout à l'heure avec un chèque de 20 000 francs. Il est heureux parce qu'il va avoir un abonnement gratuit d'un an à Téléstar. Et puis surtout parce qu'il va avoir tout à l'heure une grande satisfaction. Mais avant de l'avoir, un petit interrogatoire d'état civil. Ah bon ? Prénom et nom ? Paul Derman Régis. Oui, l'âge ? 48 ans. Bon, on peut encore l'avouer. Oui, hein, on peut. Bon. Oui. Situation de famille. Marié, 4 enfants. Profession. Je suis directeur export. Et alors, la bonne blague, ça marche dans l'export? Ça marche pas mal. Ça aide dans les dîners d'affaires. Ça remplit bien les blancs. Alors, vous savez ce qui va se passer maintenant. Cette blague, nous l'avons donnée très succinctement à un auteur qui est en même temps un interprète. Il l'a réécrite à sa manière et maintenant, il va vous la jouer. Guy Montagné. Alors, voilà. Alors, bon. Alors. Alors donc, c'est un jeune missionnaire qui arrive en avion par Air Afrite sur une fois sur l'aéroport du Bundala. Ah oui. C'est la Kemaka, c'est la capitale du Bundala. Il atterrit pour partir en mission à travers l'Afrique. Il a rendez-vous dans un village parce qu'on lui a construit une petite chapelle pour évangéliser les peuplades africaines. Alors il est très heureux, il descend de l'avion. S'il n'a encore jamais vu l'Afrique, il est très très heureux. Et il y a un missionnaire africain qui vient l'accueillir au bas de l'appareil. Bonjour, comment allez-vous, mon père? Je vais vous conduire à votre village avec ma zip. Mais non, écoutez, il n'y a pas besoin. Je vais aller à travers la brousse, tel Saint François qui m'a donné l'exemple. Je vais marcher nu-pied. Attention, il y a des serpents, hein. Il y a des migales, des animaux très bizarres qui vous mangent partout. Vous m'en balle aussi, hein. Des pygmées aussi. Souvent avec des casse-têtes et tout. Des gris-gris amusants qui vous portent malheur. Vous faites très attention, hein. Non, 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 ça ne fait rien. Je ne veux pas que vous m'accompagniez. Mais c'est un petit bout de femme, hein. Alors ils prennent la jeep, l'autre est un peu embêté. Voilà. Ah, ils discutent. Ils disent, écoutez, arrêtons-nous, je veux descendre. Mais quand même, l'autre, il l'accompagne. Bah, écoutez, faisons un petit arrêt pipi au bord de la rivière. Alors, il s'arrête au bord de la rivière et il y a le missionnaire africain qui... Et l'autre, il est là, un peu gêné. Le fond de l'air est frais. Oui, le fond de l'eau aussi. Bon, et il continue la promenade. Et alors, bon. Et puis, il dit, non, écoutez, je veux vraiment y aller tout seul. Alors bon, il se quitte. Au revoir, mais faites attention aux animaux, hein. Il marche dans la brousse, il marche. Il voit des animaux partout, des éléphants. Des girafes. Des singes. Des autruches, je pourrais couvrir maintenant. Des tas d'animaux. Il n'est pas effrayé parce que, ma foi, bon, ces animaux sont pas vraiment féroces. Mais il a soif, il a faim, il rampe dans la brousse. Les vautours au-dessus, c'est terrible. Et à un moment donné, fatigué, il s'affale près d'une dune. Il dit, j'espère que derrière, oh, j'aurais vraiment dû demander à ce brave Africain de m'emmener dans cette jeep, je n'y arriverai jamais. De l'autre côté d'une dune,
Il rampe, et il voit tout d'un coup face à lui un lion terrible, avec une crinière, qui grogne. Alors il dit, oh Seigneur, donnez à ce lion des sentiments chrétiens. Alors miracle, les nuées se rassemblent dans le ciel, la lueur céleste tombe sur le couple lion missionnaire, des anges chantent, et le lion ne rugit plus. Il s'agenouille même face au missionnaire et il fait « Seigneur, bénissez cette nourriture que je vais prendre. Voilà, » si vous avez envie de vivre l'aventure de M. Paul Derman, eh bien je vous rappelle que dans le numéro de Téléstar de cette semaine, vous trouverez pour participer à notre prochain concours d'histoire drôle, un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre ou à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre histoire. Bonne chance! De Madame Noël de Bruxelles, dans la Chine ancienne, lorsqu'une épouse était surprise en flagrant délit d'adultère, la première fois, on fouettait son complice. La deuxième fois, on fouettait l'épouse coupable. Après, c'était le mari. Et après, c'était le mari. Oui. Ah oui. Bonne réponse de Sim. C'est logique. On fouettait le mari. Et M. Sim, question subsidiaire, mais qui a son importance puisqu'elle est morale. Pourquoi fouettait-on le mari la troisième fois? Parce qu'il n'était pas capable de garder sa femme. Il n'était pas capable de la survivre. Exactement. Il n'était pas capable de la survivre. Je vois que ces messieurs ont vécu. Ils sont mariés. Ceux qui ont regardé les grosses têtes depuis quelques mois se sont aperçus que chaque fois que Julien Courbet se promenait sur notre scène, il faisait des rencontres. Ah, oula, ah bah dis donc mon pauvre Julien, t'as l'air fatigué, qu'est-ce qui t'arrive, t'es crevé ou quoi? Je le suis. Et qu'est-ce que tu fais? Je travaille à la chaîne. Sur une chaîne de montage? Ouais. Mais raconte, qu'est-ce que c'est? Bah on est quatre. Oui. T'as le premier qui prend les bouteilles et qui les met dans le carton. Oui. T'as le deuxième qui prend le carton et qui le ferme. Oui. Et t'as le troisième qui prend le carton et qui le met dans le camion. Oui, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je te raconte. Là, dis donc, Thierry, t'as pas le moral, toi? Ah, qu'est-ce là, qui se passe? Je suis dégoûté, mon pote. Je suis dégoûté. J'en ai plein le cul. Ma femme vient d'être mutée. Oh. Et ça, c'est toujours emmerdant. Qu'est-ce que tu veux? Elle va habiter où? Chez moi. Oh, Vincent, tu as l'air crevé. Je le suis, je travaille à la sécu, figure-toi. Et alors? Et alors, ils nous font faire les 3-8, c'est harassant. Oh, les 3-8, mais c'est inhumain, ça. Mais concrètement, ça se passe comment? Alors, les 3-8, c'est 8 jours de boulot, 8 jours d'arrêt maladie, 8 jours de congé. Je suis crevé. Dis donc, Julien, tu fais la tête? Oui, Dari, c'est à cause de mon patron. Il m'oblige à travailler le dimanche. Le dimanche? Mais il n'a pas le droit. Et ça fait longtemps que ça dure? Ça fait 10 ans, Dari, et il ne veut rien savoir. Et c'est quoi ton boulot? Curé. Bonjour, Julien. Ouh là là, la soupe à la grimace. Qu'est-ce qui se passe, toi? Encore ma femme. Et alors? Aussi, elle a senti le parfum de ma secrétaire sur mon revers. Oh, et alors? Elle veut le même. Oh. Oh, Vincent, j'ai rencontré un type extra. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier, ton type extra? Il m'emmène tous les soirs dans un hôtel différent. Mais c'est un vicieux, dis donc. Non, un VRP. Oui. On peut savoir ce qui se passe là? Toujours ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, quand je suis rentré, elle a pris ses jambes à son cou. Et on peut savoir pourquoi? Parce que le type qui était sur elle lui a demandé de le faire.
Julien, tout va mal. Je suis cocu. Attends, chérie. Je te le dis, je suis cocu. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Eh, c'est toujours ma femme. Figure-toi, elle est trop gentille. Elle fait des trucs qu'elle fait jamais. Il me cache quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Elle a des trucs à se faire pardonner? Je suis sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait de plus que d'habitude? Elle couche avec moi. Ça va pas, Julien? Non, ça va pas du tout, Julien, non. Hier soir, j'ai fait l'amour avec ma femme, elle m'a appelé Robert, alors ça va pas. Merde! Oh, mon pauvre. Mais t'as essayé de mener une enquête, de savoir? Oui, j'ai mené une enquête, oui. Et alors? Je m'étais trompé, c'était pas ma femme. Question de Monsieur Grolet. Pour quelle raison, à un certain moment de sa vie, De Gaulle entra-t-il dans un panier à linge? Ah, pour s'évader. Exactement. Nous étions pendant la guerre... De 14-18. De 14-18, oui. Bien sûr. Et comment il contenait dans un panier à linge? Parce que c'est pas au vieux linge qu'on apprend à faire la limace. Et c'est vrai que le général, qui avait attendu longtemps cette occasion, a vu qu'on était en train de transporter dans un camion un panier à linge dans lequel, et il fallait qu'il ait certaines dimensions, il pourrait se glisser subrepticement, et c'est ainsi qu'il a pu quitter le camp où il était détenu. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier, mais oui. Hey, Carlos, tu connais monsieur et madame Worm, des Allemands? Non. Eh bien, ils ont deux fils. Jésus et... Non, ils ont trois fils. Jésus, Hans et Hubert Worm. Jésus, Hans, Hubert, Worm. Alors cette question-là, tout le monde peut y répondre, puisqu'elle réclame moins de culture que de bon sens. Question de M. Simonet de Langres. Pourquoi la reine Victoria était-elle favorable à la construction d'un tunnel sous la Manche? C'est à Victoria. Qu'elle avait mal de mer. Elle n'aimait pas prendre de bateau. Elle avait le mal de mer. Elle avait le mal de mer. Elle transpirait beaucoup, alors il fallait creuser un tunnel sous la Manche pour aérer. C'est une bonne réponse d'Amanda Lear qui est confirmée par Stéphane Bern. C'était une pionnière, hein, la reine Victoria, dans de nombreux domaines. Hein. Ah oui, c'était surtout la première reine à mettre un serviteur indien dans ses appartements privés, et très proche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien, absolument rien. Ça veut dire qu'un lien, ça vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, ça veut dire qu'il y a déjà 100 ans, la famille royale d'Angleterre nous occupait déjà. Une nouvelle du quartier, mais qui n'est pas sans intérêt. Le docteur Méphistophélès vient d'ouvrir un cabinet rue de la Gaîté. Oh, toi, vieillard sénile, qui remplis mon caisson! Tu vas sortir vainqueur de tes dégradations. La puissance et la gloire seront ta dotation. Et du grand Méphisto, tu seras le fiston. Sors. Vous pouvez rentrer, vous coucher, le traitement est terminé. Je vous fais un chèque. Ah non, pas de chèque. Une fois j'étais à la banque, au Crédit Lyonnais. J'étais tellement dans le rouge, j'ai foutu le feu au siège central. Je prends votre âme en paiement. Au revoir, rentrez chez vous. Ah, rentrez. Oh, professeur Méphisto. Lui-même pour vous.
vous servir? Je me présente, mon nom est Faust. Sim Faust. Slim Fast? Eh, non, non. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais non, non, je cherche quelqu'un qui pourrait me changer mon visage. Alors, j'ai lu votre petite annonce dans le dragueur français avec Méphistophélès. Retrouvez votre jeunesse. Vous voulez changer de visage? Elle est pourtant chouette, votre gueule. Oui, non. Ma gueule, ça va, mais c'est le restant qui va plus du tout. Quelle est votre profession? Je suis satyre au bois de Boulogne. Quel âge avez-vous? J'ai 85 ans. Ah, bah oui, évidemment. Ça... Oui, oui. Alors, vous avez un peu de mal à jouer de la flûte? Oh. Je veux dire, ma flûte, elle est dans un état lamentable. Hein. Si vous voulez la voir, Ah oui. Écoutez, professeur Sim Faust, si vous voulez que je remette votre flûte en état pour effeuiller votre marguerite, eh bien, il faudra donner votre âme en paiement. Oh. Vous savez, professeur, à mon âge, ma sœur âme ne voit plus rien venir. Alors entrez dans ce caisson, nous allons essayer. Entrez là. Entrez. Oh, toi dont l'instrument baisse un peu de la tête pour avoir tant servi pendant les soirs de fête. Retrouve ta vigueur pour charmer les nénettes et que ton vieux pipeau devienne clarinette. Est-ce que, après ça, vous pourriez me changer le visage? Ah, ça va être plus difficile, mais écoutez, j'ai un catalogue, vous voulez changer de visage? Alors là, nous avons plusieurs propositions, nous avons le modèle Belmar. Oh, non. Hein? Mais un peu trop grosse tête pour votre petit corps. Là, on a le modèle Carlos. Oh, non. Là, mais trop gros corps pour votre petite tête. Là, on a le modèle Bouvard. Non, professeur, je préférais quelque chose de plus sportif. Ah. Hein, genre Rambo Schwarzenegger. Écoutez, rentrez dans le caisson. On va toujours essayer. Ah. Allez, rentrez. Oh, toi qui veux changer le corps chétif que tes parents ont fait dans un coït furtif. Accepte que Satan te redonne des tifs et refasse de toi un superbe sportif. Oh! Oh merde! Elle est détraquée, votre machine! C'est pas du tout la tête que je voulais! Maintenant, je vais chanter faux et j'aurai un rire idiot! Avec les hommes, être diable, c'est l'enfer! Publicitaire, et dans quelques instants, je vous promets le retour de vos grosses têtes. Qui vous invite à voyager sur une nouvelle compagnie aérienne. Oh, pardon, monsieur, c'est bien le vol pour Nice? Oui. L'accueil laisse à désirer. Personnellement, c'est la première fois que je prends cette compagnie. Oui, moi aussi. En revanche, leurs prix sont abattables. Oui. Paris-Nice, 45 francs, dis donc. Je sais pas comment ils font. Un rat. Oh, allez coucher le rat. On a encore désobéi à maman, à coucher. C'est
cette créature. Cette créature, madame, c'est votre hôtesse de l'air. Oh. Oui. Bienvenue sur Air Partner Europe. Vous n'auriez pas une pochette citronnée, je vous prie, un petit rafraîchissant pour les mains. Oui, tout de suite, madame, tenez. Voilà, excusez-moi, il n'est pas sale. J'ai juste vérifié l'huile des moteurs avec, alors. Non, non, moi je veux dire une pochette citronnée. Ah, il n'y en a pas sur ces vols, madame. Ah, bon? Ah non, non, c'est réservé au vol blanc. Ah non, mais ici, vous êtes sur un vol marron. Ouais, ok. Voilà, qui c'est. Ah non, ah, monsieur, non, non. J'ai failli rater l'avion, pardon. Non, cher monsieur, non, ne vous asseyez pas, monsieur. Non, levez-vous, levez-vous. Au vol précédent, il y avait eu un monsieur de votre corpulence. On l'avait assis à cette place même pour éviter que l'avion ne pique du nez. L'avion a tenu, mais pas le plancher de la carlingue. Alors, si vous voulez. Oh, c'est pas vrai. Mais je vous en prie. Mais c'est toujours pareil, ah. J'ai un gros cul. Et maintenant, cher passager, voici un petit plus que vous n'aurez jamais sur les autres compagnies. Mon père, s'il vous plaît. Avant de vous envoler pour un monde meilleur, vous allez pouvoir vous confesser, mes chers enfants. Merci, pourquoi cela ? Je vous en prie. Non, puis moi, il faudrait 6 mois, alors c'est même pas la peine. Vous allez bien rester avec nous pour ce dernier vol. Hélas, hélas, ma mission n'est pas finie ici-bas. Adieu. Ladies and gentlemen, la température intérieure de l'appareil sera exactement la même que celle de l'extérieur. Nous allons voler aussi loin que nous pourrons. Nous n'avons malheureusement plus de gilets de sauvetage. Nous les avons échangés contre du kérosène. En cas de démantèlement subi de l'appareil, des masques tomberont à votre portée et vous permettront de garder le sourire jusqu'au dernier moment, comme seul au conseil. Et voici maintenant, Ladies and Gentlemen, le dernier vers du condamné. Le commandant. Oh, oh, mademoiselle Le Hideux. Aujourd'hui, vous êtes deux. Ah non, vous êtes deux, hein. Non, non. Allez. Armée, toboggan. Non, les toboggans, commandant, vous savez bien qu'on n'en a plus. Bah, vous les avez offerts à vos enfants pour Noël. Ah, mais oui. Allez, on y va. Non, le poste de pilotage, c'est par là, commandant. Allez, on y va. Allez, on y va. Où qu'on va? Nice. La capitale, la choucroute et la saucisse. Oh, moi, je pète la forme, on va se tenter un looping, moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Un looping. Commandant. Oui. Commandant. Ouais. On peut pas faire de looping, on est bloqué. Et alors, on peut pas décoller? Ben, on peut pas décoller, on a volé les pneus. Attendez, il y a la grève? Mais non, la grève, c'est fait pour embêter les passagers, nous on n'en a plus. Alors, c'est pas ça qui a empêché de décoller, d'ailleurs moi je plane. Non, mais écoutez, en tout cas, on pourra pas accuser votre compagnie de publicité mensongère. Hein. Ah, vous avez raison d'affirmer, Air Partner Europe, ça c'est du vol. Allez. Moi, je voulais faire mon looping. On va s'envoyer en l'air. Question sportive de Monsieur Joly de Châteauroux. En haltérophilie, comment départage-t-on les concurrents du corps qui sont ex-aequo à la fin d'une épreuve? Alors, selon quels critères? Poids du corps. Oui, mais encore. Le plus léger, l'emporte. Par rapport à ce qu'ils ont soulevé? Non. Le plus léger, à ce qu'ils pèsent, eux. Oui. Alors, qu'est-ce qui est déclaré vainqueur? Le plus léger. Le plus léger. Le plus léger, ou le moins lourd, je vous laisse le choix. Ah, oui. Bonne réponse de Thierry. Qui
question de Monsieur Lassieux. Que signifiait cette petite annonce qui paraissait couramment dans les colonnes du Times au siècle dernier ? Valet de chambre avec son os cherche place chez Gentleman. Et ça des espions, des non, services non, secrets non, 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 c'était pour cirer les chaussures du maître. Exactement. Exactement. On cirait. On faisait reluire le cuir des bottes avec un os de gigot et il y avait certains os qui étaient plus performants que d'autres. Parce qu'ils étaient plus usés. Voilà. Bonne réponse d'un autre gentleman. Qui est Jacques Bell... J'ai jamais fait reluire avec un os, alors. Ah, j'ai une histoire. Oh, madame. Bah, non. Mais toi, tu fais reluire, non? Non, pas du tout. C'est joli, ça. Non, mais. Amis du Club des Poètes, bonsoir. C'est pas Darry, liberté féminine. Bon, toi et moi. Question de Monsieur Tarkovski demande qui, dans l'exercice de sa profession, prononce la phrase « Laissez-moi seul ». Le docteur ? Le bourreau ? Un branleur ? Le gynécologue, quand il reçoit... Le curé ? Le curé, quand il confesse ? Non. Le rabbin, quand il coupe ? Non. Et ça fait partie du rituel, du cérémonial de son métier. Le bourreau ? Laissez-moi seul. Le bourreau ? Non. Un juge ? Un juge ? Enfin, pour certains, il fait un peu figure de bourreau, mais pas pour ceux qui généralement viennent le voir. Un voyant ? Non. Une voyante ? Laissez-moi seul, Laissez-moi seul. Au moment du suprême danger, il veut se concentrer et vaincre sans aide. Torero ? Un exorciste ? Torero ! Le matador, c'est moi qui ai dit. Amanda. Très bonne réponse d'Amanda Lear, c'est le torero. Seul face à la bête. Comme disait les paparazzi au bord d'une piscine avec une péripatéticienne belge, il n'y a pas longtemps, hein, monsieur Bern. Oui. Ceux qui matent adorent. Bien, justement. Stéphane qui s'est penché professionnellement, mais sans aucune curiosité personnelle malsaine, sur cette histoire que vous évoquiez, cher Guy Montagnier, a reçu... un poème. Et oui, j'ai reçu un poème, ça m'a plu, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé quelques vieux souvenirs, et j'ai voulu vous le faire partager. Il s'intitule « La princesse et le poissonnier ». Wow. Oh. La princesse était belle, doublant le sémaphore, presque nue, sensuelle, sur le pont du hors-bord. Ni voile, ni ombrelle ne protégeait son corps des affres du soleil et des regards retors des quelques poissonniers attroupés sur le port. Le plus jeune d'entre eux s'approcha d'elle alors qu'elle posait sur le quai son pied de terpsichore. Lui mettant sous le nez, comme on offre un trésor, un bouquet de crevettes qui sentait un peu fort, il s'écria penaud, justifiant son remords. Pardon pour ce présent, vous que mon cœur adore. J'aurais été plongeur, c'eût été une amphore. J'aurais de la fortune, une montagne d'or. Ah, je vends des sardines, c'est vrai, je le déplore. Mais j'ai pour capitale une santé de castor. Ému par l'argument du videur d'avant-sort, la princesse décida d'en faire son prince consort. L'amant, dans le palais, tenta cri à corps, son paternel d'altesse hurla comme un stentor, jurant tel un hussard contre ce coup du sort qui unissait sa fille à ce triste butor. Les ans ont patiné les coupables transports du roturier promu, gardien de coffre-fort, et de la princesse changeant le royaume en folklore. Puis un jour, au détour d'une virée de bord, le poissonnier consort, gai comme un labrador, fut flashé au radar, aimable métaphore, plaçant sa banderie tel un toréador sur quelqu'un sombre grue au nom qui déshonore. Les clichés révélant qu'il avait du ressort auraient pu le faire entrer dans le livre des records. Il plaida non coupable, mais il prit tous les torts, et son beau-père de prince, enfin flanqua dehors, ce marchand de poissons dépourvu de phosphore. Oh. L'interprète. Bon, écoutez, c'est à l'archevêque, on va pas se foutre les catholiques à dos, hein, ça va déjà assez mal dans la restauration. On passe ça au profit des pertes. Quelques jours plus tard, un rabbin vient manger à Tour d'Argent, il fait un repas somptueux, et au moment où il lui apporte l'addition, il fait « J'ai payé ».
merde. Alors, il retourne dans son mode d'hôtel, il fait, excusez-moi, mais il y a le rabbin là-bas, je lui apporte l'addition, il me dit qu'il a payé. Il fait, écoutez, vous vous rappelez ce qui nous est arrivé la semaine dernière avec l'archevêque, on va pas se foutre les juifs à dos, hein. Vous lui dites, bon, ça va, on passe à pas profiter, perdre, c'est pas grave. Bon, petit à petit, le restaurant se vide, et le rabbin reste tout seul. Il attend. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne sauf lui, et le maître d'hôtel vient, il fait, excusez-moi, nous fermons, vous attendez quelque chose? Il fait, oui, ma monnaie. Il passe devant une charcuterie comme ça, il voit un jambon tout rose, il regarde, il fait, oh, le jambon, il s'apprête à entrer dans la boutique, à ce moment-là, il y a un coup de tonnerre énorme qui arrive, il fait, et alors on peut plus se renseigner, non? Le même, il fait, David, il fait, monsieur, dit, tu connais mon fils? Il dit, bien sûr, je connais ton fils. C'est un ami de mon fils, je connais ton fils. Il dit, tu sais que je l'ai élevé dans la religion juive. Je l'ai envoyé à Tel Aviv pendant les vacances pour qu'il revienne. Un bon juif, il est revenu catholique. Il fait, c'est bizarre ce que tu me dis là. Tu connais mon fils? Il dit, bien sûr, je connais ton fils, puisqu'il est copain du mien. Il dit, tu sais que je l'élève dans la religion. Je l'ai envoyé à Haïfa, où j'ai un frère, pour qu'il devienne un bon juif. Il est revenu catholique. Il dit, c'est bizarre, on va aller trouver le rabbin. Ils m'ont trouvé le rabbin, il fait, rabbin, tu connais nos fils? Il dit, bien sûr, je connais vos fils. C'est moi qui leur ai fait faire la bar mitzvah. Et je les connais très très bien. Je connais tous les enfants. Il fait, eh bien, on les a envoyés en Israël pendant les vacances. Lui à Haïfa, l'autre à Tel Aviv. Et pour qu'ils reviennent des bons juifs, ils sont revenus catholiques. Et le rabbin, il dit, c'est bizarre ce que vous me dites là. Vous connaissez mon fils? Il dit, mais bien sûr, rabbin, on connaît votre fils. On a même la joie qu'il soit l'ami de notre fils. Il dit, vous savez que je l'élève comme un futur rabbin. Je l'ai envoyé à Tel Aviv, où mon frère a une synagogue, pour qu'il revienne non juif. Il est revenu catholique. Il dit, on va aller au temple et puis on va parler à Dieu. Les deux disent, rabbin, c'est toi qui parles à Dieu. Oui, oui, je parle à Dieu. Ils arrivent tous les trois au temple et le rabbin fait, Dieu, tu connais nos fils? Il dit, mais bien sûr, je connais vos fils. Je connais tous les fils d'Israël. Bien sûr, je connais vos fils, ce sont des bons juifs. Et bien, on les a envoyés tous les trois en Israël pour qu'ils deviennent des bons juifs. Ils sont revenus catholiques. Et Dieu leur dit, c'est bizarre ce que vous me dites là. Vous connaissez mon fils? Et maintenant, quatre destins exceptionnels évoqués en musique. Nous étions jeunes et fringants, nous venons dans la misère, mais grâce à notre bon cœur, amant d'une riche héritière, on dormait dans les bras blancs. Francis, Valuta, Leticia et moi, ton tabou, le fric, l'héritière et moi. Quand l'héritière n'a plus eu d'argent, Francis est pris pour volière, on a connu les galères, jouant tous les réverbères, pour les buter les mendiants. Guillaume Pain, Clodo, Guille de Rouge et toi. Puis on s'en est sorti en trichant, puis sous un poids au poker. Valutin est un expert, mais s'il n'y a pas de quoi être, on lui est reconnaissant. Perra, Belmar, le petit film et moi. Les Costas, les Brooks, le Grand Bleu et toi. Nous étions très séduisants, mais étions de savoir-faire pour lisiner les rombières, mari ou célibataire, qui était le plus ardent. Pèlerin, Belmar, Valutin et toi. T'es belle, t'es moins belle, t'es très laide et nous. T'es belle, t'es moins belle, t'es très laide et nous. Une question de Madame Biglaiser de Paris. Quelle bonne surprise eut le président de la République, Gaston Doumergue, durant son septennat. Il a gagné à la loterie nationale. Il a gagné le gros lot à la loterie nationale. Ah, voilà. Bonne réponse de Guillaume. Question de Madame Carole de Royan. Qu'appelait-on autrefois la prime de queue et à qui était-elle versée? Aux joueurs de billard. Il n'y a pas des histoires de rats là-dedans? Oui, oui, c'est ça. C'est quand on capturait des rats. Oui, alors donc, généralement Moyen-Âge. C'était eh ben, c'était des égoutiers. Les égoutiers, voilà. Exactement. Qui, au retour de leur visite quotidienne des égouts, rapportaient des rats. Bonne réponse de Guy Montagnier et Pierre Bellier. Yeah.
C'est un type qui se promène dans la rue et il croise un autre type qui a deux énormes Doberman. Et il est affolé par la taille des chiens. Il les regarde, ils sont énormes. Il dit, monsieur, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça doit bouffer, ces chiens-là? Ah oui, oui, alors celui-là. Oh, 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 oh. Et l'autre? Ah ben l'autre aussi. D'accord, alors ça doit courir super vite, des chiens comme ça. Alors là, oui, celui-là. Ah bon, mais l'autre? Ah ben l'autre aussi. Et ça doit demander de l'entretien, vous devez les nettoyer en permanence, ça fait des besoins, ça doit puer. Oh, celui-là, il pue. Ah bon, mais l'autre? Ah ben l'autre aussi. Vous me prenez pour un con, monsieur. Mais pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous me dites celui-là et l'autre aussi. Je vais vous expliquer, je comprends votre réaction. Celui-là est à moi. Ah, et l'autre? Ah ben l'autre aussi. Dans une maternité, justement, il y a, c'est la naissance, il y a une maman qui est là, allongée sur la table de souffrance. Oh, oh, poussez madame. Alors, à ce moment-là, il y a un petit bébé qui sort. Oui. Il regarde l'infirmier, mais... T'es mon papa, toi? Alors, l'infirmier est un petit peu intrigué quand même, avoir ce bébé qui parle comme ça. Non, je suis l'infirmier. Hop, il rentre. Alors là, maman, elle est là, mais je suis désolé, c'est pas moi, hein. Bah oui, on sait bien, madame, on est un peu embêté. Oh, il se regarde avec le médecin accoucheur, on est... Ah, il y a encore des contractions. Ah oui, allez-y, madame, poussez, hop, la petite tête ressort. Oui. Moi, le médecin accoucheur fait... T'es mon papa, toi? Le médecin, il fait, ah bah non, je suis le médecin accoucheur. Il rentre d'ailleurs. Maman, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe, on va appeler le père, hein, quand même, on sait jamais. Oui, le père, il est dans le couloir. C'est vous le père? Non, c'est pas vous, le père. Vous êtes le père, hop, il rentre dans le verre, il est là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il faut que le père soit là. On peut pas vous expliquer, il faut que le père soit là. Ah bon, ben, je suis là. La mère est là. Ça y est, j'ai encore des contractions. Poussez, madame, poussez. La petite tête sort. Tu vois le père? T'es mon papa, toi? C'est oui, je suis ton papa. Alors, il sort complètement. Oh, viens dans les bras du père. Puis il tape sur la tête du père et fait « Tu vois ce que ça fait, hein ?» Une question de Monsieur Gamelin de Monceau-les-Mines. Pourquoi le serpent ne ferme-t-il jamais les yeux? Il n'a pas de paupières. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Bravo. Arrive au paradis, et puis Saint-Pierre est vachement sympa, il lui dit, oh, écoutez mon pauvre vieux, allez, je vous laisse une chance de retourner sur terre, mais vous allez vous réincarner dans un objet, alors vous choisissez un objet. Alors le clochard se dit, bon, je me réincarnerai bien en casserole. En casserole? Lui dit Saint-Pierre, mais comment ça se fait? Bah écoutez, vous savez, moi toute ma vie j'ai rêvé d'avoir le ventre plein, le cul au chaud et la queue dans la main d'une femme. Ça. Oui, c'est Mimi. Tiens, demande-moi, Francis, combien coûte une place de cinéma et t'enlèves l'essai, toi qui fais plein de théâtre? J'enlève l'essai. T'enlèves l'essai. Combien coûte une place de cinéma? Enfin, combien? Combien coûte une place de cinéma sans pas l'essai? C'est comme un débile, mais c'est alors. J'enlève l'essai. Rien. C'est gratuit pour les gogoles. Je suis bon hein. Et maintenant, place au théâtre avec un drame de la cohabitation. Salut Gégé. Salut. Ah, dis donc, t'es bien dans ton nouvel appart, là? Ouais, je suis bien. C'est chouette ici. Ouais, c'est chouette, ouais. Ah, tu paies cher comme loyer? Non, le loyer, ça va. C'est les charges. Tu t'es cogné?
Alors, remarque, c'est normal. Hein. Tu sais, au début, il faut toujours s'habituer à la nouvelle disposition des pièces. Mais hein. Non, c'est le voisin. Hein? Mais de salaud, il laisse gueuler sa solo toute la nuit. J'ai dû lui dire, on va la baie de la foutre un peu en sourdine, il m'a collé un pain. Donc, il t'a frappé? Voilà. Oh la vache, et t'as rien dit, toi? Bon, alors écoute-moi, tu vas me dire où qu'il est, je vais lui dire deux mots, moi. À côté? Il est à côté? Il est à côté. Bouge pas, je reviens. Je bouge pas. T'es dedans. C'est vous qui avez frappé mon copain qui habite à côté? Ouais. Est-ce qu'on peut savoir comment que ça s'est passé? Comme ça! Il a rien dit. Il peut pas! Parce que je suis le président du syndicat des copropriétaires! Dans ce cas-là, excusez-moi de vous avoir dérangé. Hein. Vous bavez un peu. Et non, Gégé, tu m'avais pas dit qu'il était président du syndicat des copropriétaires? Et alors, c'est pas une raison pour que son chef vienne pisser sur mon paillasson tous les matins? Non. Il fait faire ses besoins à son chien sur ton paillasson. Tous les matins. Et toi, tu dis rien? Tu laisses faire ça? Alors, ce coup-là, ça va chauffer. Attention, faut pas se laisser faire, hein. Dites-moi, c'est vrai que vous faites faire vos besoins, enfin, les besoins de votre chien, sur le paillasson de mon copain qui habite à côté? Ouais. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que mon chien, c'est un sale con de chien. Ah ouais, ben... Et que quand il fait ça sur le palier du copropriétaire, ouais, lui fout un coup de lettre dans le cul comme ça. Voilà. Et il vous mord pas? Il peut pas, je cotise tous les ans à la SPA. Non, c'est pas là, oui. Mais excusez-moi de vous avoir dérangé. Dis donc, Gégé, tu m'avais pas dit qu'il aimait les animaux. Et alors, c'est pas une raison pour que son chien aboie toute la nuit. Et en plus, ce salaud, quand il est bourré, il tape sa femme. Il tape sa femme? Tu parles, tu te trouves comme ça, hein? Oh, le salaud, alors là, on va pas se laisser faire. Attends, bouge pas, j'en reviens. Je bouge pas. T'es dedans. C'est vrai que vous battez votre femme? Hein? C'est vrai que vous battez votre femme? Ouais! Je veux savoir pourquoi? Parce qu'elle cuisine comme une salope et pour l'amour qu'elle prendrait! J'ai un goût de pépère! Elle peut pas faire des progrès? Non! Elle est con comme un balai, elle a 10 ans de plus que moi! C'est une raison. Excusez-moi de vous avoir dérangé. La belle nouille encore par le poil. Voilà. Excusez-moi. T'as raison, hein. T'as raison, c'est une brute, hein. Je te l'ai dit. Avec un mec comme ça, on peut pas discuter, hein. Non. Alors là, ça va chauffer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trancher dans le vif. Tu vas déménager. Ne ratez pas le prochain rendez-vous des grosses têtes, c'est dans quelques minutes après la publicité. Efficace corominis, hein? Eh bien, Balutinus, pourquoi ton front se plisse? Perds-tu ton latin? Tu parais au supplice. Bonum vinum, l'efficace corominis, le bon vin réjouit le corps de l'homme, légionnaire. Tu parais décidément plus doué pour faire la guerre que pour trousser les mots pour éviter de la faire, hein? Allons, fais ton rapport, tribun Balutinus, à ton empereur aimé, Franciscus Pérennus. C'est que j'ai chevauché par-delà les frontières et j'ai le goût qui est sec comme le fond d'un cratère. Castellus, donne à boire à ce pauvre soldat
Et si le cœur t'en dit, prends-en un peu pour toi. N'y fais pas attention. N'y fais pas attention. Cette esclave est fada depuis que j'ai les eunuques et la servi d'appât. Dis, combien de provinces as-tu gagné pour moi? Ah, si je suis satisfait, je ne serai pas ingrat et tu auras ton lot à la fin de ton contrat. C'est que, à vrai dire, Périlleux, je pourrais mieux parler lorsque j'aurais pu mieux me désaltérer. Plus on cause, plus on boit, hein, vous savez ce que c'est. Alors voilà, encore un petit coup pour éclaircir la voix. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire, ok, il nous faut. Oh, Tribun Balutinus, ça va comme ça? Ton rapport sans délai? Ou comme Castellus, tu vas chez les eunuques prendre un coup dans le bonus? Périlleux, je te poisonne. Tu voulais mon rapport? Eh bien, je te le donne. J'ai sacrifié 20 ans de ma pauvre existence à parcourir les Gaules sans relâche, en tous sens. J'ai pris pour toi des villes sans fantaisie aucune, et jusqu'à mon trépas, je t'en garderai rancune. Des villes dont le sol ne crachait que de l'eau, qui vous ébouillantait ou vous glaçait les os. J'ai conquis Saint-Galmier, Forges-les-Eaux, la Bourboule. J'ai vu un truc à Vichy, j'allais perdre la moule. Et tu oses aujourd'hui me jeter au visage de cette horrible flotte? Je ne tiens plus mes reins. Ah, ça fait mal, hein? C'est peut-être beaucoup, là, quand même. Ouais, ouais, ouais. 20 ans sans jus de raisin, c'était trop dur pour moi. Maintenant que me l'en voilà, on va arroser ça. Castellus, c'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire, okay, il nous faut. Oh, 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 oh. Question de Madame Patin. Ah, ah, bah, ah. Pourquoi les pharaons épousaient-ils traditionnellement leurs sœurs? Pour que ça reste dans la famille. Oui. Il fallait pas que le sang soit avili, donc il fallait que ce soit... Exactement. Comme ils étaient d'espèce divine, ils ne pouvaient pas et se marier avec le simple mortel. Bonne réponse de Stéphane Bern. C'est un manchot qui va dans un bar. Un manchot. Un manchot, vous imaginez, je suis un manchot et il commande à boire. Le barman lui dit, alors très très rapidement parce que l'établissement ferme dans une minute, alors vous faites vite. Qu'est-ce que vous voulez? Ben donnez-moi un demi. Alors, je vous sers le demi mais vous le payez tout de suite parce que l'établissement ferme. Ah ben attends, il donne 500 balles et il dit, pendant que vous me servez le demi, je peux utiliser les toilettes, ça vous ennuie pas? Il descend aux toilettes, il prend l'escalier, il arrive devant la pissotière. On m'avait dit, hein. Et il commence à faire pipi. Et le patron... C'est énorme. Non, c'est disproportionné. Oui, c'est... Et le patron arrive, donc on dit, monsieur, s'il vous plaît, on ferme, vous m'avez donné 500 francs pour une bière, je suis désolé, mais il faut me donner de la monnaie, moi j'ai fini ma caisse. Oh, mais je suis en train de pisser, vous pouvez attendre deux secondes quand même, un peu de... Non, non, j'attends pas, l'établissement ferme, vous me faites de la monnaie tout de suite. Quand même incroyable ça, hein. J'ai jamais vu un établissement pareil. Alors, combien il vous faut? Une histoire de Julien qui m'en rappelle une autre, c'est un manchot qui est en train de pêcher. Il est au bord de la rivière comme ça. Ah, il y a un type qui passe, qui le voit et qui fait... Ah ben dites donc, vous pêchez vous? Oui, qu'est-ce qui m'empêcherait, hein? Je dis, oui, mais ça doit pas être pratique, de pêcher avec une seule main comme ça. Pourquoi, moi, j'ai l'habitude, hein, ça fait 30 ans que j'ai qu'un bras, je pêche tout le temps comme ça, hein. Je dis, mais comment vous faites? Ah, mais c'est très simple. J'ai ma boîte d'asticots, là, qui est par terre, alors je l'attrape, je pose les yeux, j'enlève le couvercle, je prends un asticot, voyez-vous, je suis entre les dents, j'ai un asticot. Je mon hameçon par terre, je colle un petit gosse, hop, j'attrape ma ligne, pouf, et voilà, et puis c'est tout, et puis j'attends que ça morde. Oui, mais attendez, parce que là c'est bien, bon, j'ai vu. Mais imaginons que ça morde, bon, comment vous faites pour remonter le poisson? C'est pas compliqué,
C'est pas compliqué du tout. Regardez, je me coince la canne ici sous le bras. Ouais, c'est un petit bout là. Mais... Et je le remonte, Oui, mais après, comment vous sortez de l'eau? Mais comme ça, hop, comme ça. Puis alors, voyez-vous, j'attrape la, l'épuisette avec mes deux pieds. Puis hop, je mets dedans. Et plaf, j'arrive, je prends un bâton et paf, paf. Il dit, vous en prenez des gros? Il fait, oh ouais, c'est comme ça. J'imagine que vous êtes très soucieux de protéger votre vie privée. Ah oui, nous vivons une époque d'indiscrétion. Alors, j'ai des renseignements. Faites attention, les paparazzi sont là. Alors, Julien, Anne Masseran, ne vois-tu rien venir? Rien du tout. Désespérant. Oh là 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 là. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être là d'après les indications de nos informateurs. Il n'y a pas de problème. Ça doit être en place là. Il devrait être là. En plus, le piège est superbe. Regarde ça. Elle n'a pas de soutien-gorge. En plus, son maillot de bain est tellement petit qu'on dirait un timbre-poste. Oh. Elle a l'air aussi chaude que l'eau de sa piscine. Arrête, tu me fais du mal. Ne dis pas ça. Tu sais de quoi j'ai envie là? Là, j'ai envie. J'ai envie d'un bon bain. Ça fait 10 jours qu'on planque ici. On ne s'est pas lavé une seule fois. Tu vas voir qu'on sera repéré à l'odeur. Tu sais, en fait, Julien, au lieu d'être des paparazzis, on ferait mieux d'être des gendarmes. On serait tranquille, tu vois, sur le bord de l'autoroute ou autour du périph à Paris. Et on pourrait flasher des gus toute la journée sans s'emmerder à monter sur des échelles comme ça. Dis donc, à quel âge est-ce que tu as commencé ta carrière, toi? 5 ans. Oui, je suis rentré trop tôt de l'école, j'ai photographié ma mère avec... Avec ton père? Ah bah non, heureusement, sinon elle aurait pas payé aussi cher les négatifs. Ah, ouais. Ah, je crois que voilà notre client. Non, il est là? On vient. Il y a un bon Dieu, il y a un Jésus pour les paparazzi. Viens, viens, approche. Regarde, 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 regarde la vitesse à laquelle il enlève son pantalon. Et tu sais, dans le midi, on appelle ça avoir le feu à la pinède. Allez, vas-y, mon coco, sors ton petit oiseau que je sorte le mien. Mais attends, mais il fait quoi dans la piscine, là? Il est en train de piquer une tête au lieu de prendre les jambes de la fille. Ça va pas du tout. Non, mais attends, il est en train de l'inviter au petit bain. C'est reculer pour mieux sauter. Mais vas-y, coco. Mais non, regarde, il en ressort. Mais je comprends pas, j'hallucine, il est en train de se rhabiller. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout? Prends-moi la fille, ça va amortir les frais. Oui, 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 oui. Mais il sort de la piscine sans même lui parler. Impuissant, fantôme, sous-motorisé sexuel. Je te jure, moi, de nos jours, les gens n'ont plus aucune espèce de savoir-vivre. Quand je pense à ton fils. Mon fils, tu fais bien de me le rappeler, celui-ci. Ouais. C'est une catastrophe pour son avenir. Est-ce que tu crois qu'il veut vraiment devenir paparazzi? Mais chez nous, on est paparazzi de père en fils. Oh. Là, en ce moment, je peux te garantir tout de suite qu'il n'est pas très doué, le gamin. Hein. Pourquoi? Il est en planque depuis 10 jours. Où ça? Devant chez Castelli. Oh. Question de Madame Lelon de Saint-Germain-en-Laye. Pour quelle raison le crapaud mâle doit-il rester pendant plusieurs jours sur le dos de la femelle au moment de la reproduction? Parce qu'il aime ça. Parce qu'il reste accroché comme les chiens. Parce qu'elle colle. Il attend qu'elle ponde. Parce que les spermatozoïdes sont lents. Il féconde les œufs directement. Il attend qu'elle ponde et il féconde les œufs. Exactement. Il arrose de sa semence les œufs pondus par la femelle. Ça demande plusieurs jours parce qu'elle pond plusieurs milliers d'œufs. Bonne réponse de Guy Montagnier. Que de crapaud, que de crapaud. Question de M. Gragnon, quel usage principal l'escargot fait-il de sa langue râpeuse? C'est pour avancer. C'est un organe locomoteur. Voilà. Bonne réponse de si. C'est une grand-mère qui veut à tout prix faire plaisir à son petit-fils qui vient de passer dans la classe supérieure. Elle va un petit peu dans sa chambre, puis elle trouve qu'il manque de costumes pour le dimanche, pour les grandes occasions, les fêtes et tout ça. Elle dit, allez, viens mon petit Cédric, nous allons chez le tailleur, on va te faire un beau costume, tu vas voir, sur mesure. C'est le premier de ta vie, je suis heureux de te l'offrir. Vois, ça tombe bien sur les épaules, le pantalon est impeccable. Et puis,
il regarde un petit peu son pantalon, il dit, mamie, il y a un truc que je comprends pas, sur mon pantalon, il y a que 3 boutons à la braguette, alors que papa, il y a 7 boutons à la braguette. Un peu gêné devant le tailleur, la mamie dit, écoute, mon petit Cédric, c'est que tu n'es pas encore très grand, ton petit Zizi va continuer lui aussi à grandir au fur et à mesure, et quand tu seras grand, eh ben, tu pourras avoir peut-être 7, 8, 9, je ne sais pas, 10 boutons à ta braguette, ce sera un signe de maturité, comprends-tu? Et pile à ce moment-là, devant le magasin du tailleur, il y a un curé qui passe en soutane avec genre 200 boutons, et le gamin dit, bah dis donc, celui-là, ça doit être quelque chose. Pour rester toujours dans la même ambiance, c'est dans un couvent. Dans un couvent. Il y a les moines, on est au réfectoire, c'est le matin. Il y a un an que ces moines sont là, ils ont fait vœu de silence, et enfin le père supérieur s'adresse à l'un d'entre eux et dit, frère Thomas, je lève pour un instant votre vœu de silence, avez-vous quelque chose à dire? Frère Thomas se tourne vers les autres moines, vers le père supérieur et dit, je trouve le petit déjeuner très mauvais. Pas un mot de plus. Un an se passe, le petit déjeuner ne change absolument pas. Et au bout d'un an, le père supérieur s'adresse à un nouveau moine, dit, frère Joseph, il y a un an j'ai autorisé frère Thomas à rompre son vœu de silence. Vous pouvez le rompre à votre tour. Avez-vous quelque chose à dire? Je trouve le petit déjeuner excellent. Un an se passe dans le silence le plus total, et à nouveau le réfectoire, les moines, le père supérieur, frère Pierre, à votre tour, vous allez pouvoir lever votre vœu de silence, avez-vous quelque chose à dire? J'ai horreur de ces chamailleries continuelles à propos du petit déjeuner. Et maintenant, une petite publicité, s'il vous plaît. Je sais. Vous regardez mes poignets. Doux, soyeux, pas du tout abîmés. Et pourtant, je suis un chef d'entreprise comme les autres. Je fraude le fisc. Je ne fais pas mes déclarations d'URSSAF. Je vire quand il ne le faut pas. Alors moi, quand les flics viennent me chercher, j'utilise des menottes en alcantara. C'est du velours, ça protège les poils et ça n'abîme pas ma peau. Je peux vous assurer que c'est très utile. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, vous êtes en état d'arrestation pour toutes les magouilles et les abus de biens sociaux, voilà. Et voilà, encore une fois, allez, on met les bracelets et on y va. Suivez-moi. Voilà. N'oubliez pas, même quand on est chef d'entreprise, les poignets, c'est important. Allez, oui. Monsieur Bertrand, qu'est-ce que les Écossais en costume traditionnel ont dans leurs chaussettes? L'avenir de l'Écosse. Les couleurs de leur clan. Un couteau, un poignard. Le jus. Exactement. Ah, un couteau qui est dissimulé dans la chaussette. Oui. Bonne réponse de Sylvie. Pour couper les bourses. C'est la maman de Ben Johnson. Le fameux athlète qui, paraît-il, se dopait un peu légèrement. Alors, sa maman est dans son pavillon de banlieue, et elle rentre dans la cuisine, et qu'est-ce qu'elle voit sur la table? Des citrouilles énormes, des carottes d'un mètre, des concombres géants. Elle appelle son fils et fait, « Ben, t'as encore été pissé dans le potager ?» Je réponds à la question que beaucoup d'entre vous se posent. Le grand concours d'histoire organisé par TF1 et Téléstar continue et vous pouvez continuer, vous aussi, à nous envoyer votre histoire favorite. Alors, l'auteur, eh bien, il gagnera, vous le savez, un chèque de 20 000 francs, un abonnement d'un an gratuit à Téléstar, et puis, il sera l'invité d'honneur de l'émission. Alors, pour cela, c'est simple, vous nous envoyez très vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran, en découpant dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre. N'oubliez pas. Question de M. Fauroux. Qui employait la poudre de succession? Les empoisonneuses. Borgia. Les empoisonneuses. Non, on a parlé de la poudre de succession plus tard. Plus tard, avec la voisine. La voisine. Bonne réponse de Pierre Belmar. Célèbre empoisonneuse, mais française, celle-là.
Une question de Madame Rudeau. Qu'appelait-on au Moyen-Âge le guilledou? Il court après les escrocs. Vers la cour à une femme. Courir le guilledou. C'est la jartelle de la mariée? Non, pas la jartelle. C'est la rosière? Oh, c'était pas du tout des rosières. Le guilledou, chez quelle femme le trouvait-on? Chez les prostitutes. Exactement. C'était une chemise, non? C'était une chemise. Ça se présentait comment, le guilledou? C'est pas une chemise. On va pas le raconter à la télé, quand même. Non. C'était un petit nœud. C'était un petit nœud. Oui. Ah, ouais. Bon. Oui. Je sens que de quelle couleur? Rouge. Oui. Bon. Oui. C'est un petit nœud rouge. Oui. Et ce petit nœud rouge, où le mettait-on? Au bras. Voilà. Au bras. Ah oui. Ça permettait de ne pas confondre. Femme du monde, elle est péripatique. Absolument. Voilà. Exactement. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale masculine. Et tout à fait ça. Dans une énorme manif à la nation. Ils ont tous des pancartes et ils gueulent. On veut du travail! On veut du travail! On veut du travail! Au milieu des 600 000 personnes, il y a une Rolls qui arrive. Il y a un type qui en descend avec un cigare bien habillé. Il avise l'un des mecs qui gueule « On veut du travail !» Il fait « Vous voulez du travail ?»« Je vous en donne tout de suite, je vous engage !» Et le type fait « Merde, on est 600 000 et il faut que ça soit sur moi que ça tombe !» Tout à l'heure, nous vous avons montré les paparazzi. Mais il existe un journaliste tout aussi redoutable que les paparazzi, mais mieux élevé. C'est le journaliste qui s'est spécialisé dans l'interview des souverains en exil. Putain. Merde, des huissiers encore. À cheval. Entrez. À cheval. Oui. Oh, pardon, j'ai dû me tromper de porte. Vous n'êtes pas... Si. Chute de verre, Asdrobourg, roi de tant de années. Et sous moi, la reine Frélégonde, qui rigole quand on la féconde. Vous comprendrez pourquoi je ne meurs pas tous les jours, hein. Huissier, vous n'avez pas le droit de saisir ce qu'on a sur le dos. Huissier, mais je suis journaliste, moi. Ah bon, Frélégonde, debout. Oh mais majesté, je ne vous imaginais pas dans une telle dèche. Eh ben... Sire... Mais pourquoi vous êtes-vous exilé de votre royaume de tant de zizanie? Mais parce que mon peuple crevait de faim, je me suis dit que ça leur ferait deux bouches de moi à nourrir. Oh, vous avez peur de me faire empailler? Oui, alors, pour vous empailler, vous, il faut 3 tonnes de foin. Oh. La reine vous tutoie, mais vous la vous voyez. Je la tutoyais au début de notre mariage, je vois là tellement grossie que maintenant je la vous vois, on croit qu'elle est plusieurs. Vous notez, monsieur le journaliste, que le roi n'emploie plus le nous royal. Depuis qu'un jour il m'a dit « Nous avons fait l'amour » et je lui ai dit « Les autres, oui, mais vous, non !» Mais Majesté, après avoir connu les fastes de votre royaume tanzanien et de votre château, ça n'est pas trop dur de vivre dans cette loge de concierge? Mais non, pensez-vous regarder Marie-Antoinette, elle a bien été à la conciergerie. Et puis, prenez gonde, planquez votre machin, allez. C'est plus gai qu'à Sainte-Hélène. Mais sire, acceptez cette couronne que vous avez sur la tête, vous reste-t-il des vestiges de votre royauté? Rien. J'ai vendu mon step pour locataire du 3e, pour une bouchée de pain frais. C'est un CRS snob. Il s'en sert comme massue. Majesté, espérez-vous un jour retourner dans votre royaume? Mais évidemment, et je reviendrai avec cette paire de chaussures neuves. Mais par coquetterie? Non, par dignité. Parce que comme j'entrerai les pieds devant, je veux pas qu'ils me voient avec des trous sous mes semelles. Pour pas qu'ils me reconnaissent, je vous laisse pousser la barbe, vous avez vu. Majesté, en conclusion, pourquoi avez-vous choisi la France comme terre d'exil plutôt que l'Angleterre, l'Espagne ou la Belgique? Mais il n'y a pas de concurrence ici, on peut prétendre à la monarchie puisqu'on est en République. Voilà. Enfin, oh. Venez que je vous baise la main, Frédéric. Voilà, on en sait davantage sur les grands de ce monde et faut avouer que c'est pas toujours reluisant. Alors, si vous le voulez bien, nous quittons encore une fois pour quelques minutes et ensuite rendez-vous pour le grand final avec toute la troupe. Just
frère. Sans patate. La comédie des inconnus. En... Voilà. T'as un problème, mon lapin? J'ai jamais su faire les nœuds. Ah, les nœuds, c'est un métier. Ouais. Ah, tiens. Oui. J'y pense. Je te rends ton petit cadeau, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Ah, bah ça, c'est bien la première fois. Je m'étais dit aussi que j'étais assez performant. Hein. Commande pas le bourrichon, hein. Non. C'est simplement, tu vois, t'es mon dernier client. Ah bon? Et je raccroche aujourd'hui. Oh. Alors je me suis dit, en te rendant tes 500 balles, ouais. J'ai l'impression un petit peu de me racheter, tu vois. Ah, je peux demander un dernier service? Oui. Voilà, tu vois, pour fêter l'événement, je voudrais bien que tu me signes mon livre d'or. Oh, bah oui, comme donc, t'es connu. Idée, ah oui, oui. C'est charmant, ça, oui. Non, alors, ça, c'est ça. Attends, ben. Attends, je vais mettre... C'était très copieux. Ah. Non, excuse-moi, c'est l'habitude des restaurants. Attends. Ah. Non, tiens, j'ai trouvé mieux. La qualité finit toujours par payer. Voilà. Oh, merci, non, t'es trop gentil. Oh, merci beaucoup. Non, allez, détale vite mon lapin parce que... Mais je t'en prie. Il y a du monde, bah oui, je sais. Ils sont nombreux, ceux qui veulent immortaliser l'événement. Mortir, mon jubilé. Oh. Tu vas nous manquer. Oh, j'espère bien. Tu veux pas me signer mon livre d'or? Oui, le livre d'or, on va le réveiller. Oui, vas-y. Qu'est-ce que je vais te mettre? Ben, j'ai très envie de te mettre beaucoup. Ah voilà. On ne m'a jamais aussi bien fait tirli-pimpon sur le chi-oua. Contre moi, tu as fait le poids, ma puce. Allez, détaille, mets ton suivant. C'est dommage. Oui. Je suis content de te revoir. Tu vas bien? Mon livre d'or. Mais bien sûr. Je t'ai apporté mes économies. Plutôt que de les mettre à la caisse d'épargne, quitte à se faire grignoter les noisettes, autant que ce soit pas par un écureuil. Voilà ma grande. Merci. Oh, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Oh, suivant. Merci, mon livre d'or. Toi tout ça. Tu m'as fait grimper au rideau. Pardon pour la tringle. Mon livre d'or. D'accord, ma poule. Alors, si ma femme gagnait autant que toi, j'aurais pu venir plus souvent. Suivant. Oh, mon Amanda. Vincent. Tu sais, comme je suis émotif, moi, mais je vais quand même te trouver le courage de te dire merci pour tes tarifs exorbitant. Combien de fois suis-je sorti d'ici encore plus raide qu'en y entrant? Merci quand même. Le suivant. Bien, heureux de vous retrouver. Alors c'est fini? Bah c'est fini, tu vois. C'est bon. Bien que ma plan courbée avec toi il ne le fut jamais. Gère, hein. Suivant. Ça va? Oh, tu viens de signer mon livre d'or? Oui. Ouais. Prends ton temps. En acceptant que je te paye à crédit, tu as augmenté mon tempérament. Oh, bravo, merci mon chéri. Merci. Et au suivant. Oh, mon sportif. Ah, oh là là. Mon livre d'or. Oh, mais avec plaisir. Je penserai à toi chaque fois que je verrai des footballeurs portant des maillots de 5 à 7. Ah oh, tu vas nous manquer, tu sais. Merci, oh, c'est gentil. Le suivant, oui, Thierry Roland. Ah, oh, monsieur Père. S'il vous plaît. Alors, ne plus être votre client me consterne. Maintenant, j'ai autre chose que mon nom qui est en berne. En berne. Oh, merci. Oh, merci.
Le suivant, c'est messieurs. Oh, monsieur Pradel. Alors, je signe le livre d'or. Oui, s'il vous plaît. Ah, tout a déjà été dit. Tu m'as fait découvrir les joies du service public. Ah, oh, ben oui. Voilà. Au revoir et merci. Le suivant. Oh, le musicien. Oh. Le musicien. Ah, ma partition préférée. Qui m'a procuré sans mesure tant de soupirs, tu étais comme une clarinette, à chaque trou correspondait une note. Ah. Merci. Enfin, ben, mon client le plus assidu, le voilà. Quelque chose pour mon livre d'or. Ah, c'est la première fois que je vous couche sur le papier, mais je me console en pensant que le plaisir de lire est remplacé par le plaisir d'écrire. Oh, merci, merci, merci. Oh, quel livre d'or. Oh, c'est formidable. C'est une dame qui arrive dans une pharmacie qui fait « Monsieur le pharmacien, je voudrais du savon à la chlorophylle. » Savon à la chlorophylle. « On n'en a plus, madame, on n'en a plus. »« Ah, oh, mais il faut absolument du savon à la chlorophylle. Je prends que ça pour ma toilette intime. C'est savon à la chlorophylle, il m'en faut aujourd'hui. »« Ah, mais on n'en a pas. On en aura demain. Enfin, revenez demain. » »« Oh là là là. Bon, demain, ok, mais moi, je pourrais pas venir, mais mon mari viendra le chercher. Vous le reconnaîtrez ? C'est un petit brun, il a des moustaches vertes. Un mec qui a rencontré une pute, elle lui fait combien c'est ? Elle lui dit 300 francs. Ah, il fait non, je peux pas, j'ai que 50 balles. Ben, dis bien, je te ferai le coup du pingouin. Je monte, d'accord, alors il monte, alors elle rentre dans la carré, il lui file ses 50 balles, elle s'agenouille devant lui, elle lui défait sa ceinture, le mec il veut commencer à acheter pourtant, elle lui défait sa fermeture éclair, hein, et elle baisse le pantalon sur les chevilles et elle se tire en courant. Et le mec il fait, c'est quoi le coup du pingouin ? C'est quoi le coup du pingouin ? Le type dit avoir une pute, et la pute lui dit, tu viens, je te ferai le coup du sucre d'orge. Bon, c'est quoi le coup de... Viens voir, viens le sucre d'orge. Alors attends, elle le fait déshabiller, elle le fait comme ça, elle lui prend son truc comme ça. Un enduit de caramel, ça. Un enduit de sucre, elle met un sucre en poudre, elle met un peu de chocolat en poudre et tout, comme ça autour. Il fait, maintenant tu vas voir ce que c'est le coup du sucre d'orge. Elle fait, non, moi, je rentre chez moi, je vais me le taper tout seul, et toi. Tailleur, qu'est-ce qu'il est dans son magasin, et tout d'un coup, il y a madame Bénichaud qui rentre avec le petit. Voilà, mon garçon, je voudrais que vous lui fassiez un costume. Est-ce que vous pourriez prendre les mesures? Oui, madame, je vais les prendre les mesures. C'est ici petit. Yeah. Alors, il les prend comme ça, les tours de nez, il note, il dit. Bon, écoutez, alors, les costumes, il sera prêt dans une semaine. D'accord, vous revenez avec les petits, on l'essaye et tout. Merci beaucoup, monsieur Tailleur. Au revoir. Viens, mon petit, viens, rentre à la maison. Bon, une semaine après, elle revient. Alors, le costume du petit, il est prêt? Oui, madame, il est prêt, bien petit. Tiens, tu prends les pantalons, tu vas l'essayer dans la cabine avec la veste et tu ressors. Le môme, il enfile le pantalon, il met la veste et tout. Il dit, oh, regarde, maman, regarde, il va bien, hein, oui. Oh, mon petit, mon fils, comme c'est beau. Merci beaucoup, il paye, elle paye, elle paye, hop, elle s'en va. Et puis dehors, il pleut. Oh, le môme, il a à peine fait 20 mètres, le pantalon. La veste. Comme ça, totalement rétréci. Aïe, 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 la purée de nos autres, qu'est-ce qu'il a vendu à mon fils, le tailleur? Je vais lui mettre la tête en tchic-tchic. Regardez, mon fils, regardez le costume. Et le tailleur la regarde et fait, comme il a grandi. Voilà,
c'est le moment du chœur final sous la direction du maestro Bob Castel. De Téléstar.